Est-ce que vous aimez les films d'horreur qui sont très moyens et qui ne se vendent pas partout? La plupart du temps, ce n'est jamais bon signe, mais bon, tant qu'il y a des vidéos réactions à faire, autant en faire sur tous les genres. Bonjour à tous fans de cinéma, c'est Esprit Zen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction sur un film d'horreur qui, je pense, ne sera pas vendu de partout, puisque c'est un film d'horreur qui n'a pas vraiment été très annoncé, qui se nomme L'Enfant du Passé. Je sais pas pourquoi je le regarde au lieu de regarder d'autres vidéos de bande-annonce, mais ça m'a semblé plutôt bien. Alors, autant le regarder maintenant et découvrir dans la bande-annonce si ça a l'air plutôt pas mal. Je ne connais rien de ce film, voilà, autant vous dire. C'est parti, lumière, moteur, ça tourne et réaction. Je vais m'approcher encore plus de mon écran pour essayer d'avoir peur si j'ai peur, on sait jamais. Donc L'Enfant du Passé, le 25 octobre en VO2 et téléchargement définitif. Ouais, en fait il ne passera même pas au cinéma. Où vas-tu, chérie? Papa est mort ce matin. J'ai besoin d'être seule. Tu ne remarqueras même pas que je suis partie. Un peu quand même, hein. Tout va bien? On joue à cache-cache. Oh non. 5. 4, 3, 2, 1. Excusez-moi, ça marche tout le temps quand je suis devant mon écran. Comme ça, les grands yeux ouverts. D'accord, j'ai peur à tous les screamers quand je ne connais pas le film. Cette bande-annonce est remplie de screamers, excusez-moi. Bon, alors que dire de ce film? Bon, pas grand-chose vu qu'il ne sortira pas au cinéma. Juste en téléchargement et en VOD, le 25 octobre. Du coup, c'est plutôt moyen, surtout qu'en fait, le 25 octobre, c'est dans à peine quelques jours, là. Que dire dessus? Alors, c'est une femme qui va se séparer temporairement de son mari justement pour réfléchir parce qu'elle se sent seule depuis la mort de son père. Elle va atterrir dans une maison où se déroulent des étranges phénomènes à la suite de l'arrivée d'un jeune garçon dans sa vie, appelé l'enfant du passé apparemment. Alors on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans ce film. Tout ce qu'on sait c'est que la femme est martyrisée et du coup je ne pense pas que ça règle vraiment sa tristesse due à la mort de son père. Non, je crois que ça va encore empirer. Alors à moins que justement cet enfant soit possédé, peut-être que l'enfant est là pour la rassurer. Et justement elle va essayer de protéger l'enfant des phénomènes étranges qui va se dérouler dans sa maison. Non, 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 c'est l'enfant le démon. Déjà, quand on voit l'affiche, c'est l'enfant le démon. On le sait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. Je sais, elle était un peu courte, mais j'ai pas grand chose à dire sur ce film qui ne sortira même pas au cinéma. Du coup, c'est pas vraiment utile de savoir des tas de choses sur lui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo réaction en fin de semaine ou en début de semaine. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à partager la vidéo et à regarder les anciennes vidéos. C'était Esprit Z. Coupé !